We kregen helemaal op het eind van de Grand Colombier het verwachte duel tussen Vingegaard en Pogacar. Ook Sammy Nering trok naar die Grand Colombier en die kwam daar een koppel tegen, op 500 meter van de top. En dat koppel luisterde naar de namen Mirko en Margetta. En dat zijn de ouders van Tadej Pogacar. Het zijn mensen die zeer bescheiden zijn, die het liefst in de schaduw blijven, maar voor Sammy een uitzondering hebben gemaakt. Tadej Pogacar, je... Najprej naj en sin, naj en otrok. Sicer je velik športnik, ampak v prvi vrsti je naj en otrok. Il est un sportif magnifique aussi, mais en premier lieu c'est notre fils. L'importance de gagner est grande pour Tadej. Pour Tadej? Oui. Ah, il est très combatif dès son enfance. Il était très combatif en jouant au domino, aux cartes, aux jeux de loi, etc. Il voulait toujours gagner. C'est un peu dans notre famille, peut-être. Oui. Nous jouons beaucoup et on veut tous gagner. Quel était son rêve d'enfant? Est-ce qu'il parlait beaucoup du Tour de France, par exemple? Pas du coup du Tour de France, mais il était assez jeune quand il a dit pour la première fois qu'il voulait devenir cycliste professionnel. À l'âge de 13-14 ans, il avait déjà ce rêve. Quelles sont les valeurs les plus importantes pendant l'éducation de Tadej? Il a été religieux, il a été pushten. Être honnête, avoir de la gratitude, dire merci, être reconnaissant pour des choses. Pas de vidéo de ça quoi se faire que depuis de ce monde de ça quoi se faire mal poutru d'être pas logique, pas très bien poutru. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Et si on offre tout à son enfant, on ne fait pas rien de bien pour lui. Il devait montrer et sentir du respect pour les autrui, pour les plus âgés. D'où vient sa persévérance? Persévérance, oui. Ne pas s'arrêter. Oui, de vous ou de papa ou de... De ça, vraiment. Des deux, parce que... Des fois, c'est moi qui est plus persévérante et des fois, c'est lui. Et dans son travail, il faut l'être toujours. Pensez-vous qu'il peut gagner plus de deux fois? Ben, je crois c'est difficile que... à répondre comme parent aussi. Oui, mais tout dépend des circonstances parce qu'il peut arriver tout. Il peut tomber, il peut, je ne sais pas, avoir un mauvais jour, tout peut arriver. Oui, mais ça reste un phénomène, non? Je crois encore que si oui. Jeune, si jeune. Oui. Ouais. Et il a un très bon instinct, comme il sent les autres coureurs pendant la course. Et je crois que c'est ça, il sait s'adapter aux autres coureurs. Il sait adapter sa manière de courir ou d'attaquer, ne pas attaquer. Ou... Quand il voit les autres coureurs, comment ils agissent. Tadej Pogacar va-t-il un petit peu réécrire l'histoire du cyclisme? Ou est-il déjà en train de faire cela? Oui, parce que je crois que sa façon de courir est différente des années avant qu'il vienne sur scène, je dirais. Avant, c'était différent et quand il... Je ne suis pas très souvent ou très régulièrement les courses, mais quand il est là, dans la course, quand il participe, je crois que les courses sont beaucoup plus intéressantes, attractives aussi pour les spectateurs. Vous avez dit au début, c'est votre fils, mais est-ce qu'il y a un autre mot pour... décrire Tadej Pogacar avec un autre mot? Ah, alors, il est très simple et joyeux. Et aussi honnête, je crois qu'il est. Oui. Ok, Bourbon. Zelo Bourbon. Pushten, Kvalijan, quoi. Comment c'est
sur le Tour Bourgogne. The Grison. Oui. Et un vainqueur. Un vainqueur aussi, oui. Il est là pour vaincre, pour gagner, oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tja, lieve mensen, dan kan het niet anders dan dat Tadej Pogacar ook zo'n lieve en toffe gast is. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.